Coucou tout le monde. Alors, on va faire ensemble ce petit sapin avec du ruban. Voilà, j'ai mis un petit nœud au-dessus. Je vais vous expliquer comment on fait ce petit sapin. J'ai mis un petit peu de petites plumes autour là pour pas qu'on voie le blanc dessous. Et là, je pense que je vais faire un rond rouge dans du papier. Pour pas qu'on voie le blanc là parce que c'est vraiment pas joli. Je viens de m'en rendre compte maintenant que ça se voit quand même. Voilà, donc on va faire ce petit sapin. Et je voulais juste vous montrer une boule de Noël que j'avais faite encore. Celle-ci, c'est pour ma fille parce qu'elle va faire son sapin rose et argenté. Donc je lui ai fait une petite boule transparente avec plein de petites perles à l'intérieur. Voilà. On avait vu ça chez Maison du Monde. C'était extrêmement cher. Donc j'ai dit, ben, j'ai tout à la maison. Je vais t'en faire une. Voilà pour la petite histoire. Donc il vous faudra un cône en polystyrène. Et tout simplement du ruban. Celui-ci, je vais le faire tout doré. Avec deux bobines différentes. Voilà, le pistolet à colle, des ciseaux. Et alors, je vais utiliser des petites épingles. Toutes petites épingles, comme ça. Voilà, pour accrocher les petits rubans. Voilà, et il faudra donc des morceaux de ruban. Alors, je vais les mesurer. Je vais vous dire à peu près combien il en faut. Alors, il vous faut des morceaux de 8 cm. Voilà, 8 cm. Donc, je plie en deux. Donc, ça vous fait, bien évidemment, des petits morceaux de 4 cm comme ceci. Voilà, donc il en faut plein. Donc moi je les coupe au fur et à mesure, j'en coupe à peu près une dizaine, je les place et après je recoupe. Voilà, donc j'en ai réparé quelques-uns. Alors il y a un petit peu de laiton dedans. Les bords, il y a un petit fil de laiton, comme ça quand on les plie, ils restent bien pliés, c'est plus facile à manipuler. Alors tout mon matériel, les petites épingles, le cône, les rubans, j'ai tout acheté chez Secam. C'est cette boutique, je ne sais pas si je vous en ai déjà parlé, c'est une boutique en fait où ils vendent tout ce qui est pour un peu les artisans. Ils vendent des sachets, des sacs en papier, des petits cartons, et puis tout plein de petites choses pour les loisirs créatifs. Et en plus, ils font les produits pour tout ce qui est coiffure et maquillage. Voilà, c'est un très grand magasin et il y a même pour les loisirs, il y a des déguisements. Il y a tout un tas de masques, il y a des rayons aussi pour les mariages, il y a plein de plumes, de perles, et tout ça, c'est dans ce magasin qui s'appelle donc Secam à Vichy. Moi, j'aime beaucoup ce magasin, en plus, ils sont super, super gentils. Voilà, donc, on prend notre petit ruban qu'on a coupé, on le plie en deux, on le plie en deux comme ceci. On fait un tout petit pli, comme ça, ce qui vous fait ceci. On ramène un petit peu au bord, on ramène tous les bords au milieu. Voilà, on place au ras du cône, comme ceci. Et on met une petite épingle au milieu, comme on a réuni tous les bords. Bon, après, si vous voyez qu'une, ça suffit pas, vous en mettez deux. Hein. Voilà, et ça vous donne ceci.
Et là maintenant, il n'y a plus qu'à faire tout le tour. Là, on va en faire quelques-unes ensemble. Donc je reprends une petite aiguille. Je ramène mes bords au milieu. Ça fait comme un petit pochon, un petit pli. Voilà. Voilà, je fais le tour et je vous reprends après. Voilà, donc j'ai fait mon premier tour. Alors, ce qui est sympa quand il y a le petit laiton dedans, c'est qu'on peut un peu les gonfler ou les aplatir, ou on peut les arranger comme on veut. C'est assez sympa. Et là, pour le tour, il faut à peu près 15 morceaux. Voilà. Ensuite, donc on va faire le rang suivant. Toujours pareil, on prend nos petits rectangles. On les prend. Et alors, on ne va pas les poser juste au-dessus, mais on va les mettre en décalé. Comme ceci. Alors, je vous montre. Je l'épingle, ça va être plus facile. Voilà. En décalé. Il y a le petit morceau blanc. On décale sur la rangée du dessous. Voilà. Après, s'il y a un peu de blanc, c'est pas grave parce qu'on peut l'arranger. Et comme ça, ça ne se voit plus. Voilà, je vais en faire un petit peu avec vous. Celui-ci, il est un petit peu plus rigide. Il est plus facile à travailler. Voilà. Hop. Et voilà. Donc, ça prend un petit peu forme. Je continue. Je pince. Et en décalé, je le place au-dessus. Voilà. Donc je continue tout ça et je reviens après. Voilà, je vous montre la deuxième rangée. Je fais mon petit tour. Donc j'avais changé de ruban. C'était celui qui était très pailleté. Là maintenant, je vais refaire un troisième. Je vais rechanger. Je vais reprendre l'autre qui est plus avec des bordures. Voilà. Je vais en refaire un petit peu avec vous. Et on refait pareil en décalé. Voilà. On pourrait le faire à la colle chaude, hein, mais moi je préfère le faire avec des petites épingles, c'est plus propre. La colle, j'ai toujours peur que ça fasse une épaisseur, c'est pas très joli. Je pique, je viens le mettre en décalé, hop, et je continue tout mon tour. Et tout à l'heure, je vous ai raconté des bêtises en vous disant que Sécam, c'était un magasin pour les artisans, mais pas du tout, c'est pour les commerçants. Les artisans, ça n'a rien à voir, c'est les artisans, c'est les commerçants. Voilà, je rectifie mes bêtises. Donc là, je vais attaquer la troisième partie. Voilà. Et je reviens plus. Voilà. Donc, j'ai fini de recouvrir le cône. Tout est doré. Voilà. Donc, on n'a plus que le bout à faire. Donc là, je mets le dernier doré.
il m'est arrivé une petite catastrophe, il y a le bout du polystyrène là qui s'est cassé. Voilà, donc le dernier est mis. Et alors là, pour faire la pointe, j'ai coupé des morceaux un tout petit peu plus petits qui font 6 cm. Donc la plier en 2, 3, ce qui fait 3. Et je vais les mettre tout au bout comme ceci. Voilà, je fais le tour et je reviens. Voilà, je suis en train de mettre le dernier petit morceau. Donc les 4-5 petits morceaux que j'ai mis à la pointe, je les ai fait plus petits. Donc 6 pour récupérer 3. Là, je le consolide un petit peu le tour avec d'autres épingles. Voilà. Je fais tout le tour. Je mets deux épingles. Que les morceaux sont plus petits. Pour bien qu'ils tiennent. Voilà. Et voilà. Donc je vais finir de le décorer et je vous montrerai tout ça. Voilà, donc il est presque terminé. J'ai mis une petite pastille de ruban dessus, tout en haut pour cacher le bout du petit sapin. J'ai fait un petit nœud à la fourchette. Donc je vais le placer là. Avec une épingle, voilà, et voilà mon petit sapin tout doré. Alors je voulais mettre des petits rubans comme celui-ci pour faire des sortes de petites guirlandes, et en fait ça fait pas joli, ça se voit pas bien, c'est pas joli, donc ça va pas. Donc je vais le laisser tout simple, pardon, je vais le laisser comme ça. Voilà, donc j'espère que ce tuto vous aura plu et je vous dis à très bientôt. Merci, ciao ciao.